Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer les premières cartes que j'ai reçues pour le concours. Voilà Fifi, désolée j'ai oublié de couvrir les perruches, donc vous allez vous entendre un peu. Donc j'en ai pas encore reçu beaucoup, mais bon ça commence à arriver, mais bon il faut bien le temps que vous fassiez les cartes, hein, c'est tout à fait normal. Par contre, bon, je me suis aperçue quand même que j'ai pas choisi la bonne période pour organiser le concours. Je vous explique pourquoi. On a eu la réponse hier pour notre demande de logement et ça a été accepté. Voilà. Donc, mercredi, on va visiter la maison qu'on nous a donné et donc dans 15 jours normalement on signe le bail, 15 jours après on va signer le bail, donc on va être en plein déménagement, mais bon je vais m'arranger, il n'y a pas de souci, je ferai au mieux plutôt pour le concours. Donc comme je disais, bon, si jamais je recule un petit peu le tirage au sort, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais bon, je vais faire au mieux. C'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à reculer, mais bon, je ne savais pas si on allait voir la réponse tout de suite ou pas, donc bon, c'est rien. On va bien arriver à s'arranger quand même. D'ailleurs là je viens d'aller à Action, mais pas pour acheter du loisir créatif, hein. Voilà, j'étais faire le plein de papier bulle et de scotch, ben, pour emballer, bon, malgré que j'ai commencé déjà, mais là bon, j'étais chercher parce que ben, maintenant on va commencer vraiment à emballer. Moi j'avais commencé par l'atelier, bon il n'est pas fini l'atelier bien sûr. J'ai encore pas mal de choses à faire, mais bon, maintenant on va commencer vraiment emballer tout ce qu'on ne se sert pas et on va laisser le minimum vital sous la main pour les 15 jours par semaine que l'on va avoir, même peut-être un mois, que l'on aura besoin pendant ce temps-là. Voilà. En parlant d'emballage... j'ai commencé à mettre de côté donc pour la prochaine vente, donc ce sera la dernière. Il y en aura peut-être plus tard, hein, après j'en sais rien, mais là ce sera la dernière. Donc le prochain live, sauf s'il y a un souci, qu'on me donne un rendez-vous par rapport à la maison ou quoi que ce soit, mais le prochain live a lieu ce lundi à 13h comme d'habitude. Donc notez-le sur vos tablettes. Alors là, bien sûr, il y aura, il y en a un petit peu, mais il va y avoir surtout des... Bon, il reste 2-3 blocs 15-15, des petites choses comme ça. Mais après, ça va être vraiment des choses qui sont déjà entamées, que je ne garde pas, mais qui peuvent vous intéresser. Il va y avoir des peut-être encore des washi, il va y avoir des bouts de ruban, des bon, voilà, c'est vraiment des choses, ça a pu être des blocs entiers d'action, des choses comme ça, mais bon, ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Voilà, donc notez sur vos tablettes, lundi à 13h, le dernier live vente. Sauf si vraiment j'ai un souci par rapport à un rendez-vous ou quoi que ce soit, mais je vous préviendrai. Voilà, donc là je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues. Donc là pour l'instant j'en ai reçu 4. Comme j'avais dit, je vous ferai une vidéo par semaine de ce que j'ai reçu. Donc je ferai la vidéo le vendredi, on est vendredi. Donc j'ai juste ouvert les enveloppes pour faire pas trop de bruit. Alors, la première, donc, elle vient de Claudine, donc c'est Petite Frimousse, voilà, chercher son pseudo, voilà, qui m'a déjà mis un joli, alors ça y est, je continue à chercher mes mots, ça maintenant vous avez l'habitude, hein.
Un joli paperclip, voilà, fait dans un dans une capsule altérée. Voilà, je trouve super joli. Donc, Pétrimousse, merci beaucoup. Elle est vraiment très très belle. Donc, elle m'a mis un petit mot parce qu'elle m'a dit, elle me dit qu'elle a fait avec, elle a fait comme elle a pu parce que malheureusement, Pétrimousse a eu des soucis d'inondation. Alors, bon, comme j'ai dit, hein, je suis tout cœur avec elle, je souhaite un bon courage. Et donc, elle a eu également des inondations au niveau de son matériel de scrap. Donc, et là, elle me disait, le garage a été inondé. Je crois que c'est toi hein, qui a eu des... Parce que je vous êtes à deux à avoir été inondé. Et je crois que c'est toi aussi qui a eu des inondations au niveau de ton matériel de scrap. Mais t'inquiète pas... Et bon, j'espère que maintenant, c'est rentré dans l'ordre pour toi et que tu n'as pas perdu trop de choses. Voilà. Mais bon, déjà, c'est super gentil de ta part d'avoir quand même joué le jeu malgré tes petits malheurs qui te sont arrivés. Voilà. Alors, je vais ouvrir. On m'a emballé ça dans du papier de soie. Oh, c'est joli. Voilà, je vous montre. Sac à. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que je filme directement avec l'ordinateur. Je n'ai pas sorti la cam. D'ailleurs, elle va bientôt être rangée, la caméra. Voilà. Donc, elle m'a fait un joli parapluie. Là, avec de la dentelle. Sur un grand pic en bois. Des petites fleurs. Une jolie dame vintage et sur un fond papier musique, la petite voiture vintage aussi, vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. La dentelle, le papier, le tissu, comment on appelle ce tissu, enfin c'est pas un tissu, c'est du, pas du lin non plus, ça devient grave, hein. Je trouve plus mes mots, hein. Enfin, regardez, vous voyez, vous aurez compris ce que je veux dire. Alors, et derrière, donc, son thème préféré, ben, c'est le vintage. Et donc, elle m'a bien mis son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse, tout comme j'avais demandé. Donc, ça, je vous montre pas. Hein. Ça, c'est pour moi. Donc, merci beaucoup donc, pour la carte donc, qui fait partie du concours. Et merci beaucoup pour ton paperclip qui ira dans mon planeur. Parce qu'en fin de compte, j'ai décidé de le garder, mon planeur. Voilà. Merci. Alors, on va remettre dans l'enveloppe pour l'instant. Comme ça, je ne cherche pas. Et donc ça, toutes vos cartes vont aller dans un panier pour l'instant. Pour pas que je les perde non plus dans tous mes cartons. Alors, la deuxième... Anna. Alors, je crois que c'est Anna Création. Alors, je vais regarder tout de suite le nom. Ah, elle m'a mis un petit mot. Voici ma participation à votre concours et 2000 abonnés. Félicitations. Bah, merci Anna. Je n'ai pas de style particulier en scrap, mais on peut dire que j'aime la douceur. Comme demandé, tu trouveras une ATC, ah ben merci beaucoup, il y a une ATC en plus dans l'enveloppe, juste en dessous avec mes coordonnées, continue tes vidéos que je regarde assidûment, même si je ne commente pas, bisous bisous. Ah ben merci beaucoup. Alors déjà une jolie ATC, donc c'est Anna, ouais c'est ça, Anna Création, voilà, c'est bien, je ne me suis pas trompée. Donc ça c'est la TC qu'elle a mis en plus, voilà, qui fait un peu shaker. Bon là vous ne la voyez pas bien, ça brille, hein, je suis désolée. Et donc elle a fait la petite enveloppe derrière pour mettre son ATC dedans. Et voilà la carte qu'elle a fait.
Super. Je vais essayer peut-être d'allumer. On verra peut-être mieux. Je ne sais pas. Voilà. Ouais, on voit un peu mieux peut-être. Donc voilà la carte qu'elle a fait. Toute jolie. Ouais, tout en douceur, comme tu disais. Avec une jolie plume. Des demi-perles. J'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et là, il y a un mot en vellum dans le petit cadre qu'elle a fait en dentelle. Ah non, Fifi, tu viens pas te mettre sur les cartes. Non, 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 non. Alors, Anna, merci beaucoup. Je vais remettre la TC en attendant dans la petite enveloppe. Voilà. Et les mouettes, là, qui continuent à piailler. Alors, la troisième, c'est Marie. Voilà. Alors, qui m'a bien mis, qui m'a tout écrit derrière comme il faut. Alors, son style, c'est le style vintage. Et qui m'a fait une jolie carte sur un fond noir, comme ceci. Voilà, avec une jolie découpe. J'aime beaucoup aussi, c'est simple mais très joli. Elle est très très belle Marie, j'aime beaucoup. Donc sur YouTube c'est Marie Bonge. Voilà. Elle est très belle, merci beaucoup ma belle. On va la remettre également dans son enveloppe. Et la dernière, que j'ai préféré vous la montrer en dernier, parce que celle-là, je l'avais ouverte, j'avais déjà regardé par contre, parce que je savais qu'il y avait quelque chose en plus, et qui vient de Lydia. Alors Lydia, sur YouTube, vous la connaissez sous le pseudo de Scrapbook Lady. Voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer sa carte, donc qui a fait un style vintage aussi, que j'aime beaucoup. Oups, il y a un petit bout qui s'en va, mais ça ne rien. Voilà. Ou alors ça, c'est un petit coton qu'elle a mis. Ah oui, c'est un coton qu'elle a mis pour pas que ça s'abîme. D'accord. Ah, bonne idée, tiens. Voilà. Voilà, oui. Elle avait mis un petit coton pour pas que les fleurs s'abîment. Voilà. Ici, un petit bouquet de fleurs en papier. Là, une fleur en dentelle. Ici, un petit camé vintage. Une petite dame vintage aussi. La dentelle. Très très belle, une jolie carte aussi, comme j'aime. Bah Lydia, j'aime beaucoup 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 aussi. Donc c'est bien, tu m'as tout mis, ton adresse, ton anniversaire, super. Merci beaucoup. Et donc Lydia m'a mis des petites choses en plus pour me remercier parce que j'avais parlé de sa chaîne. Sur ma chaîne. Et donc pour me remercier, elle m'a fait des petites choses en plus. Donc je vais vous montrer. Donc elle m'a fait deux ATC d'abord. Voilà, une petite ATC comme ça, à Chabi, dans les tons roses. C'est la 3 sur 5. J'aime beaucoup aussi. Et une dans les tons violets. Voilà. Qui est très très belle aussi. Et elle m'a fait également une carte avec un petit tag, des petites fleurs.
un ictio ictio. Non, Fifi, ta queue, elle est sur la caméra. Voilà. Oui. Vraiment très jolie aussi, j'aime beaucoup. Avec la trappe-rêve, tout. J'aime beaucoup. Et elle m'a mis des petits cadeaux. C'est très gentil. Je n'étais pas obligée, hein. Mais j'aime. Alors, elle m'a mis un paquet de Washi 15-15, comme ça. C'est bien, j'en ai jamais eu ça, justement. Ils sont très très beaux. Et ça, j'en ai vraiment jamais eu. Donc, très bien. Et elle m'a mis un agenda, donc c'est les agendas 2018-2019. Donc il a l'air très joli aussi. Voilà, je trouve comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Avec des... Voilà. Donc il va me servir. Mais celui-là, je vais m'en servir pour YouTube et... Voilà. Pour marquer les concours, tout ça. Parce que bon, après que j'aurai vraiment emménagé, je vais me remettre vraiment à faire vos concours, les filles. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai négligé vos concours. Mais merci vraiment beaucoup pour les petits cadeaux en plus, Lydia. Ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Donc voilà les cartes que j'ai déjà commencé à recevoir. Elles sont très belles, toutes très belles. Et ben je sais qu'il y en a d'autres qui sont sur la route, qui vont arriver. Donc vous les verrez vendredi. Donc, de toute façon, mon anguille, il ne va pas être emballé. Hein. C'est la chose qui va être emballée vraiment en dernier. Et... Donc le tirage au sort sera fait autour du 10 juillet, comme j'avais dit. Hein. Et s'il y a un petit peu de retard, je tiendrai au courant, suivant comment ça va aller pour le déménagement. Parce que là, ça va être un gros boxon. On va voir si on loue une camionnette ou pas, comment on va faire. Mais bon, je pense quand même qu'on va devoir quand même louer une camionnette. On a vu qu'il y en avait qui louaient pas trop cher. Et de toute façon, tout ce qui est gros meubles, ça va être fait en une journée, en une seule fois. Et moi, ce que je ferai la journée, ben, tout ce qui est carton, tout ça, dans ma saxo. Ah, le téléphone sonne, je reprends tout de suite. Donc voilà, je reviens vers vous. Désolée, c'est un appel téléphonique assez important, donc je ne pouvais pas faire autrement que répondre. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, ça m'a coupé. Donc oui, bah, je vous remercie pour les cartes. Je vous disais aussi que si je devais reculer un peu le tirage au sort, je vous préviendrai. Mais je vais faire mon possible pour que ce soit fait dans les dates, au niveau des dates que je vous avais déjà données, hein, vers le 10 juillet. Donc voilà, vos cartes vont être mises bien en place pour pas qu'elles filent dans un carton. Donc, de toute façon, leur digue ne sera pas rangée dans un carton non plus. Voilà. Alors, par contre, là, il n'y aura pas de vidéo, de tuto, ni rien, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Je vous ferai peut-être des vidéos pour vous dire comment ça se passe, ma préparation de déménagement, tout ça, si ça vous intéresse. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà, on fera un genre de vlog, comme j'en ai jamais fait, mais bon, on fera un peu ça. Et sinon, voilà. Donc, je vous rappelle, le dernier live vente, ce sera lundi. Je pense, là, il me reste un ou deux envois à faire. J'espère que sinon, tout le monde a reçu. Si j'ai oublié quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oui, sinon c'est tout. Voilà.
Ouais, voilà. Je réfléchis. Mais j'ai tellement de trucs à penser là en ce moment parce que maintenant il faut qu'on pense au déménagement, il faut penser à faire les assurances, les changements d'adresse, les ceci, les cela. Ça va être un casse-tête chinois énorme. Voilà. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous dis à toutes à très bientôt. Je vous donne des nouvelles. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve de toute façon vendredi prochain pour la découverte des autres cartes que j'aurai reçues. Et entre deux, je vous donnerai des nouvelles de comment le déménagement, enfin la préparation du déménagement va se préparer. Je vais essayer de faire des photos mercredi en visitant la maison, si je peux. Comme ça, ben, j'essaierai de vous montrer, donner des photos de la maison. Et comme ça, vous pourrez la découvrir un petit peu aussi, en même temps que moi, que je l'aurai découvert dans la journée. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous la faire découvrir. Et voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous, à bientôt.